Chicago Music, suite et fin du cours sur Pirates des Caraïbes. J'espère que ça vous plaira. À tout de suite. Alors voilà la première phrase de la partie D. On va placer notre pouce sur le Ré. Le do du milieu est ici. Clac. Et ça va donner ça. On part enlever. 1, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Sol. Ok. Donc une fois que vous avez mis votre pouce ici, on va jouer pour l'instant avec les 5 doigts qui se suivent sur les 5 touches blanches consécutives. 1, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Le, Sol. Mini pause, un demi-soupir, ensuite Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Mi, Do, Ré. Voilà, fin de la première phrase. Je vous la refais un peu moins vite. Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Sol. La main gauche, quant à elle, vous allez placer votre pouce sur le Ré, donc qui se trouve une octave en dessous de là où la main droite commence. Les notes en question, donc pour l'instant, mais comme dans la partie 1 de ce tutoriel, une note par mesure. Les notes en question vont être Ré, le pouce, après Do avec l'index, petit doigt sur Fa, Re, Do et Re, Fa, après La, et Ré, et Re, Re. Divisons cette première phrase en deux parties. Voici la première. Donc je vous refais les notes vite fait de la main gauche. Ré, Do, Fa, Do, et Ké. Avec la main droite. 1, 2. Ré, Mi, Fa, 1, Sol, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Sol. Ok. Ensuite, Fa. Alors la main gauche, je vous le refais une petite fois. Ça va faire Fa, La, avec le 4, ou le 3, comme vous voulez. Puis ensuite Ré et Ré basse avec le petit doigt. La main droite quant à elle. Fa Sol La, un Sol Fa Mi Ré, un Mi Do Ré. Donc les deux mains. Alors, là donc la deuxième partie de cette première phrase. Fa Sol La, un Sol Fa Mi Ré, un Mi Do Ré. Je vous refais toute la première phrase de cette partie D, un peu moins vite encore. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Ré, Mi, Do, Ré. La partie suivante, ça va être le D', enfin D', apostrophe, hein, c'est pas trop la D', étant donné que c'est pas trop compliqué. La main droite se déplace une octave au-dessus, sur le Ré, à l'octave, et ça va donner ça. Ré, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Ré. Ok, je vous refais encore ça. Ré, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, Sol, Fa, Ré. J'espère que c'est pas trop agaçant quand je chante en même temps, je suis désolé, c'est intégré au truc. On avait terminé la partie D par le petit doigt sur le Ré basse. Là, on va reprendre le Ré pouce et les notes vont faire Ré, Do, Fa, Si bémol. Ok, donc ça c'est une note par mesure, et avec la main droite ça va donner ça. Ré, Mi, Fa, un, Fa, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Ré. Ok, petite fois encore. Ré, Mi, Fa, un, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Ré. Ensuite, pour terminer la partie D, on repart la main droite sur le Ré, Mi, Fa. Là, par contre, il va y avoir une ruzounette. On va passer le pouce par en dessous sur le sol, comme si on montait une gamme. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Si, grand écart. Ré, Sol, Fa, Sol, Mi, Ré, Mi, Do. Je vous refais la fin de la partie D. Ré, Mi, Fa, passage de pouce. La, Si bémol. Ré avec le pouce.
sol avec le petit doigt, ou le 4 en fait, ça marcherait aussi. Fa, sol, mi, ré, mi, do. Ok. La main gauche pendant ce temps-là va faire ré, sol, la, et re, la. Donc je reprends là où on passe le pouce en dessous, là. 1, 2. Ré, mi, fa, sol, la, si. On fait toute la partie des primes. Ré, mi, fa, mi, fa, sol, fa. Sans le chanter, d'accord. Ensuite, passage de pouce. Le 4. Ok. Donc à présent, la partie D et des primes, il nous restera la partie E et c'est finish. Allons-y, lancement de la partie D. 1, 2. Maintenant, la partie D avec la main gauche qui double systématiquement deux fois par mesure, c'est basse. Donc 1, 2. Repousse là et je passe à la partie des primes. Donc là, on va essayer de mettre directement les mains ensemble. À la main droite, on va faire Fa La, ici, suivi de Sol Si bémol, avec 2-4, 2-4. Je pense que c'est pas mal de garder le même doigté, ça permet d'avoir des bons points de repère. À la main gauche, on va faire Ré, Sol, avec le 4, et après on aura un Fa avec le petit doigt. Donc là, ça donnera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6. Alors, j'ai fait quoi à la fin de ça? J'ai retapé donc le Fa La à la main droite 3 fois avec Fa à la main gauche 3 fois également. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après à la main gauche je joue le Do et à la main droite je rejoue Fa La puis Mi Sol. Vous voyez mon doigté? Alors on aurait pu faire éventuellement, mais c'est moins lié, c'est plus joli si vous arrivez à faire 2, 4, pouce 3. Donc refais encore la partie 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, pouce sur si bémol, petit doigt sur sol à la main droite, tandis que la main gauche fera sol. Donc là, pareil, ça va durer une noire pointée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, la main droite descend sur la fa, tandis que la main gauche joue le ré en même temps. Pareil, une noire pointée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vous refais toute la partie E jusque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour terminer quasiment, on va attaquer à la main droite. Donc je fais quoi? Do dièse mi, Ré Fa, Do dièse mi, et Ré. Et à la main gauche, pendant la montée du... Elle fera uniquement... La, 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 Ré. Ce qui donnera... Ok? Toute la partie E. 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. La main droite va faire Ré, Mi, Fa, La, Ré, Mi, Fa, Si bémol, Ré, Mi, Fa, La, La, Do, La, Sol. C'est quasiment fini, il nous reste 4 mesures. Je vous refais encore ça. Ré, Mi, Fa, La, Ré, Mi, Fa, Si, Ré, Mi, Fa, La, La, Do, La, Sol. Ok,
La main gauche pendant ce temps-là va faire d'un bas d'un ré, d'un bas d'un si bémol, d'un bas d'un fa, fa, fa et do. Du coup, mains ensemble. Ré, mi, fa, la, do, trois. Ré, mi, fa, si, do, ré, mi, fa, la, do, la, sol, quatre, cinq, six. Ok. Ensuite, on va attaquer à la main droite les quatre dernières mesures. Donc si bémol, sol. Après, la, fa. Et pour terminer, do dièse mi, ré, fa, do dièse mi, fa, ré. Encore ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fin. La main gauche, pendant ce temps-là, va faire. Sol, 2, 4, 5, 6. Ré. Et pour terminer, la, 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 ré, la. Gros power chord. Ce qui donnera, mains ensemble, ré, mi, fa, la, ré, mi, fa, si, ré, mi, fa, la, la, do, la, sol, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6. D'accord ? Bon, il se peut que de temps en temps, mes doigts changent un tout petit peu, vous m'excuserez, parce que des fois dans l'action, voilà, j'ai un doigt qui chasse l'autre et tout. Mais a priori, c'est tel que je vous l'ai montré lentement. Ok, toute la partie E, et puis après je vous renchaîne l'ensemble. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5,
au début ça marche pas beaucoup hein, cette histoire. Alors faut avoir les doigts un petit peu raides. Et c'est un peu comme si c'était le poignet qui faisait comme ça, voyez. Si vous avez les doigts, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. C'est pas les doigts qui bougent, vraiment, les doigts sont plutôt costauds. Et c'est le poignet qui fait... Bon là j'exagère hein, ce mouvement, mais c'est un petit peu ça. Et à la main gauche c'est pareil. Pas mal. Bah voilà, bah écoutez, j'espère que ce cours, ce deuxième cours ainsi que le premier vous auront plu. Faites-moi des covers, enregistrez-vous chez vous et puis envoyez-moi vos vidéos sur la page Facebook GalagoFan ou bien sur la page Facebook Galago Musique. Je serai ravi d'aller les consulter. Voilà, bonne musique à tous. À bientôt.